Bonjour, Brice de Nice, ça vous dit quelque chose? Eh bien ici c'est plutôt Hubert de Hyères, puisque Hyères c'est un des meilleurs spots de planche à voile de France et c'est aussi la ville qui accueille la troisième journée du Festival International d'Espoir de Toulon. Et pas mauvais cet Hubert quand même. Au sommaire de ce troisième jour de match, on commence par les buts du jour avec le résumé des rencontres Côte d'Ivoire-Colombie ainsi que France-Japon, le Japon dont nous avons interviewé le sélectionneur national Akiro Nishimura. Allez gâteau, Sensei Nishimura. Et enfin pour notre dernière rubrique, le Titi Test, le célèbre testeur au chapeau, s'est rendu au cocktail de l'Amérique. Eh, ça a l'air pas mal comme programme, non? Mais tout de suite, nous sommes allés voir le Japon à l'entraînement, sévèrement battu 3-0 par la Côte d'Ivoire pour leur première rencontre. Comment vont les Nippons? Dans quel état d'esprit abordent-ils leur deuxième rencontre qu'ils doivent impérativement gagner face à la France? Eh bien la réponse dans notre focus du jour. Ouais, non, ils vont pas bien les Japonais. Ces gens, ils vont pas bien. Un stade couleur bleue au soleil levant. C'est à la Seyne-sur-Mer que l'équipe du Japon tente de remettre de l'ordre dans sa sélection. Sévèrement battus par les Ivoiriens, les Japonais semblent s'être bien remis de leur mauvaise entrée dans la compétition. Cause principale de cette défaite, la conservation du ballon. Sevrés d'occasion, les joueurs de l'archipel n'ont jamais pu développer leur jeu, surpris par la puissance des joueurs africains. Mais ils restent néanmoins confiants. Dominés physiquement et techniquement lors de ce premier match, les Japonais ont payé leur cruel manque d'expérience. Leurs meilleurs éléments retenus par la préparation du mondial avec les A, les joueurs les plus aguerris n'affichent qu'une participation à la Ligue des Champions Asiatiques et une méconnaissance du football pratiquée sur les autres continents. Obstacle de taille. Au prochain match, ils seront opposés aux Français, favoris de leur groupe. Un véritable défi. Ouais, moi. Lors de leur dernière participation il y a 2 ans, les Japonais avaient terminé au pied du podium. Pour réussir semblable performance cette année, il faut désormais impérativement gagner. Et on se retrouve au stade Perruque de Hyères pour suivre les rencontres du jour. Alors, le Japon s'est-il bien repris face à la France? La Côte d'Ivoire qui s'échauffe derrière moi a-t-elle confirmé face à la Colombie? Eh bien, c'est ce qu'on voit tout de suite avec les buts du jour. Et on se retrouve avec le sélectionneur du Japon, Monsieur Akiro Nishimura. Alors bonjour Monsieur Nishimura, je crois qu'on dit Konnichiwa. Konnichiwa. Konnichiwa, ouais, je ne parle pas très bien japonais, mais je vous remercie. Bonjour. Première question, est-ce que vous êtes bien acclimaté? Est-ce que toutes les conditions sont réunies pour que vous fassiez un bon tournoi? Ah,環境においてはもう全く問題ないです。素晴らしい、皆さんのやっぱり運営、それからボランティア。
それを感じます。私はもう8年前にもこの大会に一度参加しますけど、今回また2回目来れて本当に嬉しく思っています。Alors, si ça fait 8 ans que vous êtes là, on sait que le Japon a participé à 9 reprises au tournoi. Un tournoi qui vous a plutôt pas mal réussi, puisque je crois que vous êtes classé 3e en 2002. Est-ce que cette année, l'objectif, c'est clairement une finale? Ça va être un peu compliqué peut-être après la défaite contre la Côte d'Ivoire? Le meilleur résultat pour le Japon dans une compétition internationale, c'est une médaille de bronze au JO de Mexico, c'était en 68. En Coupe du Monde, pour l'instant, on n'avait pas atteint le même niveau. Est-ce qu'on peut dire que les Jeux Olympiques sont un objectif plus important pour la Fédération japonaise de football que la Coupe du Monde ? Donc, toute dernière question, c'est que le groupe que vous avez emmené à Toulon est le groupe qui pourra se qualifier, participer aux Jeux Olympiques de 2012 à Londres. Est-ce que, pour l'instant, on ne connaît pas encore le nom du sélectionneur? Il n'a pas été annoncé sur le site de la fédération japonaise. Est-ce qu'il y a une chance pour que ce soit vous? Est-ce que vous avez quelques indices? で今国内リーグに出場しているこの年代のオリンピックの選手は今国内リーグを優先してます。そして監督の方もワールドカップが終わってから正式に監督が就任されてスタートする予定です。逆に今来ている選手はなんとかやっぱりそこにねこの大会でいいパフォーマンスをして。Eh bien, merci beaucoup, monsieur Nishimura. Domo arigato, je crois que c'est comme ça qu'on dit dans votre pays. Et nous, maintenant, on va aller tout de suite retrouver Thierry pour le Titi Test. Je crois qu'il a testé le cocktail de la mairie. Il y en a qui ne s'embêtent pas. Alors, j'ai entendu parler d'un cocktail à la mairie dans le cadre du festival. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un cocktail à la mairie? Je vais tester ça pour vous. Alors je vais rejoindre Michel Camelli, adjoint au sport à la mairie de Toulon. Le cocktail à la mairie est traditionnel, ça nous permet de marquer l'intérêt qu'on porte au tournoi international de football et ça nous permet d'honorer les équipes visiteuses et les arbitres qui viennent prendre leur marque. Aïe, j'ai pas de cadeau moi, je vais pas avoir de médaille. Quel est l'impact du Festival international de Toulon au sein de votre mairie? Beaucoup de Toulonnais attendent avec impatience ce tournoi qui permet de revoir de grandes équipes. Et chaque année, eh bien, il y a des révélations qui se font. Et on espère voir de beaux matchs. Je le voyais pas comme ça. Quoi? Bah, y a pas de raison qu'il y ait Kitty qui boive des cocktails, hein. Bon, jour de match en tout cas pour aujourd'hui, c'est terminé. Demain, on se retrouve à Toulon pour la 4e journée du festival. N'oubliez pas notre jeu concours si vous voulez gagner ce magnifique ballon. Pour vous inscrire, c'est très simple. Vous envoyez un mail à jourdematch@hotmail.fr et si vous avez de la chance, et bien vous serez peut-être tiré au sort. On est pas mal, nous, hein, quand même, là. Hein. Tu prends quelque chose?